Et regardez là. Donc là, Marduk, Jésus a Jésus avec S, Christ à la Marduk est tout content. Il danse, il saute, il est content. Et ce qui est bien de voir, c'est qu'il applaudit sa fin. Il applaudit sa fin. Ça me fait rire parce que ça me fait penser que quand on avait regardé moi et Sabrina, le tournoi, souvenez-vous, au tennis. Sur l'Asie. Donc on voyait les tribunes, il y avait plein d'Asiates. Et ils applaudissaient leur fin. Et c'est ça qui nous fait rire. C'est que Marduk, il chante, il danse, il est content et il fête sa fin. Donc c'est là que vous voyez comment il finit, comment il termine, Christ à la Marduk. Que c'est un pantin qui est là, un imbécile et un pantin qui est là. Regardez. Donc là, c'est donc sur Lyon, donc Lyon Y avec Y, de Marduk. Mais on vous dit, regardez, voilà. Alors, ramène à Lyon sa 7e Coupe d'Europe. Bravo à tous nos joueuses d'exception. Oh, ça me fait rire. Mais allons ici, pourquoi? Parce que j'avais montré dans mes vidéos, souvenez-vous, sur le Messie Jésus. Le fils divin d'Asset, Jésus avec Z, et que je vous ai montré que c'est Jésus avec Z qui est le fils d'Asset, c'est lui qui est lié au trône 7. Il est lié au trône 7. Souvenez-vous de ça. Jésus avec Z brise Lyon avec le 7. Le trône 7 est lié au Messie. Et que j'ai même montré la preuve absolue que, souvenez-vous dans mes vidéos, j'ai montré la preuve que lui, Marduk, il s'est créé en la bête à 7 têtes. Donc, cette tête, c'est contre le trône 7 du Messie. Souvenez-vous que j'ai montré la preuve sur ça. Mais là, c'est fini pour vous, les reptiliens, les religieux. Parce que Jésus avec Z, qui est le fils de Dieu Isis, fait votre fin avec le nombre 7, le trône 7 qui est lié à lui. Donc vous êtes fini, vous êtes terminé.